Bardi Sport. Allez, on va lancer Bardi Sport. Et après, Nala nous fera une petite chronique aussi, juste évidemment. Après. Let's go. Évidemment. On balance le petit jingle, mesdames et messieurs. À tout de suite. Alors, calmez-vous. Alors, calmez-vous. Bardi, c'est à toi. Ouais, alors, je l'ai fait un peu tard ce matin. Du coup, j'ai essayé de faire au mieux. Parce que je me suis réveillé un peu tard. Mais du coup, pour cette semaine, on a du League of Legends, un peu d'Apex, du Rocket League et du Dragon Ball FighterZ. Pour ceux qui ne savent pas, si jamais, hein, Bardi Sport, en gros, ça fait le résumé un petit peu de tous les événements e-sport de la semaine. Donc voilà... Parmi les jeux qui ont été cités juste avant. Let's go. Alors, je vais juste chercher la cause officielle. Il a fait un petit dos. Oui, j'ai mon petit bloc-notes à côté. Oh là là, mais c'est de qualité ici. C'est de qualité. Premier. Yes. Une petite shockwave de Rihanna en compétition de League of Legends. Ça va piquer le dragon, c'est ça? Non. Non, même pas. Okay. Ça va juste se fight. Gros fight. Aïe aïe aïe, 1, 2 down. La shockwave qui carry. God damn, bah y'en a un qui est mort là en plus. Oh là là. C'est les wards, c'est ça? Non, là c'était les LEC, les LCS si je dis pas de bêtises. Ah, LEC, LEC, ouais. Ah oui, Ensuite, on a une petite engage de Gragas qui s'est plutôt bien passée. Donc, ils prennent pas grand chose, mais le peu qu'ils prennent est largement suffisant pour reprendre l'avantage. Les combats toujours, hein, mais... C'est quelque chose sur ce jeu. Hein. Et là, du coup, ils trade l'ADC contre le tank et c'est free win. Genre, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la map. J'avoue, pour ceux qui comprennent rien à League of Legends, là, c'est dur. Hein. En vrai, ce jeu, mais pff, quel enfer. J'ai perdu le chuchotement. Hop, il revient. Tac. Ensuite, oh, chuchote-moi les beaux clips, s'il te plaît. Chuchote-moi. On a un petit Urgot qui se fait gank 1v2 et qui est en mode d'où vous faites les fous et cons, en fait. D'où vous faites les malins comme ça? D'où vous faites les fous? Vous allez 1v2? Oh, vous allez 1v2? Mais quel enfer! Et l'autre qui se barre. Mais quel enfer! Et pour finir, on a du coup l'AK-Corp. Ah, ben oui, forcément, champion. L'AK-Corp, Adam avec son... Ou Adam, comme vous voulez, avec son Darius. Qui fait juste une dingue. Il va être loin, agressif. Akun qui a 5 points de vie. Attention. On sait pas qu'il est là, Akun, du côté des Misfits. On va le savoir bientôt. Adam, il est très très dangereux. Par contre, il ne peut pas cliquer cette lanterne. Il y a tellement de wards dessus. Et Adam devrait tomber, quoique Adam. Il est 1v3, dans quelle plaie ça part? Agressivo ne peut plus rien faire, c'est terminé pour lui aussi. Et c'est peut-être la game qui vient d'être gagnée par Adam, à lui tout seul. Triple kill. Il a été monstrueux quand même, hein. Ouais, de ouf. Il a été monstrueux. Ensuite, on a un peu de Apex. Oui. Avec un clutch, un petit clutch au Crabber. Oh. Crabber, le snipe le plus puissant du jeu, entre autres. Ouais, qui va être retiré de la ranked. Non, sérieux? Ouais, ouais, il va être retiré de la ranked parce qu'il est trop fort. Il a no scope. Tu pourras y jouer, tu pourras l'avoir qu'en normal game. Quel enfer. What the fuck? Il a déglingué tout le monde, wesh. Ah ouais, il a tout éclaté. Quel enfer. Avec Apex, un petit carnage encore de la team impériale, qui sont les seuls à streamer la compétition, donc c'est un peu compliqué de trouver des clips. Moi, j'aimerais la prochaine fois qu'on voit un clip de Nala quand même.
Nala, pro-playeuse, on rappelle. Oh là là. Ça me fait quand même assez halluciner le shoot qu'ils ont les mecs avec la Spit Fire. Ah ouais mec, c'est... Autant la Volt et tout, oh. Aussi, tu vois, mais la Spit... C'est incroyable. Il termine le dernier avec un coup de poing dans la coup gueule. De poing. Coup de poing. Coup de box tag. Une Rocket League avec un petit peu de freestyle pour commencer. Freestyle. Ah, du bon freestyle. Du bon freestyle. Allez. À lundi prochain, Tips. Là, je me suis entraîné sévère. On va pouvoir commencer à faire des vrais. Well, they cannot afford JNAP's career. Oh, yeah, yeah. Ah, c'est les Apex Monday. Toby, ouais, je veux bien parce que je trouve pas dans l'équipe. Donc, si t'as, ouais, donc. Wouah. Il a été monstrueux, frère. Ensuite, on a un petit gameplay de Ronaldinho, into pass, into angle. Ronaldinho. Bah 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 bah, Justin en même temps, quel monstre. Oh là là. Récupération, passe, angle. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour le coup, elle est vraiment belle. Ensuite, on a le droit à une Ronaldo aérien. Ah, je l'ai mis dans le chat, my bad. Ah, tu l'as mis dans le chat? Ok, yes. T'inquiète, je la récupère. C'est l'habitude. C'est... Bah bah bah, oh là là. Attends quoi? Il a eu double reset, je crois. Ouais. Reset, mais quel monstre. Pour ceux qui jouent pas à Rocket League, le reset, ça veut dire qu'en gros, t'as réussi à faire en sorte que tes 4 roues touchent la balle pour avoir de nouveau un dash. Et donc pouvoir retaper la balle, quoi. Ça, c'est incroyable comme move. Ensuite, on a un petit 12 minutes de prolongation. Ah. Quel enfer. Ça, c'est les pires games, ça. Et après 12 minutes. C'est les pires games, ça. Exténués. Ils sont exténués. 12 minutes, c'est long, hein, vraiment. 12 minutes de prolongation. 12 minutes de Rocket League, surtout, c'est long, c'est archi long. Et pour finir, un petit double tap. Pour finir en beauté, quoi. Tu m'as envoyé ou... Ah oui, c'est bon. Ouais, je l'ai envoyé. Parfait, parfait. What? C'était quoi son jeune bizarre? Ouais. Ah bah ouais. Le petit double tap. Ah bah ouais. Ensuite, on a du League of Legends avec... Encore du League of Legends, du Dragon Ball FighterZ. Encore FighterZ, ça fait beaucoup là, non? Magnifique. Un magnifique free side switch de la part du JRM. Oh bah bah. Hop. C'est les gars de Sega, ça? Ah ouais, c'est... Ouais, c'est les gars de Sega. Ils abusent avec le soundboard. Terminé. Ils abusent toujours avec leur soundboard de Sega. Ça me tue. Ensuite, on a le droit à un petit gameplay d'un perso qui counter. Le perso à counter. La roseur qui se fait arroser. Le counter qui se fait counter. Ok. En gros. Ouais, ça, c'est que Jiren, c'est le, dans Dragon Ball Fighter, c'est le perso à counter. C'est celui, il a six counters différents. Et il s'est fait counter alors que c'est la base du perso. Ah ouais, dur. Il était un peu drôle, c'est un peu la roseur arrosée, quoi. D'accord. Ensuite, on a le droit à un magnifique petit bait drop. En gros, le mec fait exprès de rater son combo pour forcer le mec à spark, donc à utiliser la compétence qui te permet de regagner des PV, qui te permet de taper plus vite, d'avoir le droit à des moves supplémentaires, etc. Ouais. Et du coup, en fait, il fait exprès de rater son combo pour que le mec se relève et spark comme ça.
et du coup il vient rechimer derrière. Et du coup il lui fait claquer un spark, en sachant que plus il te reste de perso, moins il dure longtemps. C'est 7, 14 et 21 secondes selon le nombre de persos qui te reste. God damn. Et du coup bah là il perd l'avantage majeur du sparking dès le début du combat quoi. Dur. Coup dur. Et pour finir, on a le droit à un gros nope. Le dilette. Ok, let's go, let's go. Sega. Ils abusent avec leur son de vente quand même, c'est incroyable. Les drop. Ah, oh, dur. Nope. Dur. Le mec, il a voulu attaquer, il s'est pris un revers. Il s'est pris un sacré revers. Et voilà pour cette semaine. Eh ben écoute, merci Bardi pour cette chronique. Pour le plaisir des oreilles, on se renvoie le jingle quand même. Allez, let's go. Okay. Bardi Sport, on t'attend pas pour les résultats. Yeah. On mène au score, être le plus fort, oui, c'est ça le but.